Parfait. Je devrais aller améliorer mes armes maintenant. Et améliorer mes armes maintenant. Parfait. Je devrais aller améliorer mes armes maintenant.
Mais c'est toi, Abby. Et oui, c'est toi. T'es une petite grise. Il faut changer tout ça, Grace. Redonner l'envie de se battre au peuple américain. Allumer le feu de la révolution. Merde. Tu sais que nous, on se bat tous les jours, Blazkowicz. L'Amérique blanche, elle, il y a longtemps qu'elle a laissé tomber. Elle doit plus savoir ce que c'est de se battre. Ouais, elle fait tout ce que ce putain de Führer lui dit de faire. C'est des conneries. Ces gens veulent combattre les nazis autant que nous. Tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur montre comment. Tu sais qui dirige le Sud depuis que les nazis ont gagné ? Le putain de Ku Klux Klan, pas vrai ? C'est ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller leur serrer la main et leur proposer une alliance ? Les persuader de nous rejoindre ? Par pitié, arrête de jouer au con, Blazkowicz. Oublie tous les traîtres. Pense aux racines de l'Amérique. Écoute, je suis à bout. Je sais pas combien de temps il me reste. J'arrive même plus à tenir debout tout seul. J'ai déjà vu pire. Et peut-être que tu as raison. Peut-être que les Américains se sentent bien dans cette tyrannie. Et les nazis seront toujours maîtres du monde quand je passerai l'arme à gauche. Grace a toujours raison, mon frère. Je l'ai appris à mes dépens. Ouais, ça, je sais pas. Mais une chose est sûre. Priver les Américains de leur liberté, c'est jouer avec le feu. Et je compte bien mettre de l'huile dessus. Les gens doivent réaliser qu'ils n'ont pas à subir ça. Ce sera mon seul objectif, avant de partir. C'est exactement mon propos, Blazkowicz ! Tu veux terroriser les nazis ? Tu veux leur faire mal aux yeux de tout le monde ? Tu veux foutre un joli petit bordel ? Alors tu t'adresses à la bonne personne. Donc, s'il te reste encore un peu de jus pour buter du nazillon, écoute-moi bien, j'ai un plan qui va mettre un coup de fouet à toute la nation. Oh, merde! C'est celui où je retourne chez moi à Roswell? C'est clair. Qu'est-ce que tu dis de ça, Schmanbrick? J'ai l'impression que je te tiens maintenant, petit Goylem. Max Ross? Je ne sais pas, Max. Ok, c'est ici que les décisions sont prises. Il va nous falloir un endroit où dormir à côté. Cette chambre a l'air vide. Super Spech ! Toi, l'anglais. J'ai besoin d'un nouveau foyer pour mes hommes, avec électricité, accès à la radio et des chiottes. Compris ? S'il vous plaît. Pardon ? S'il vous plaît, si on veut quelque chose, on dit s'il vous plaît. Et t'avises pas de m'appeler l'anglais. Tu veux qu'on se mette sur la gueule, connard, ou faire avancer les choses ? Moi, je suis partant pour les deux. Oh, désolé pour ça. Je contrôle pas ce truc. Je serais ravi d'aider. Alors, chef ? On va se caler ici. Oh, pas de problème, ma sœur. Bon. Écoutez-moi tous, frères et sœurs. Le petit blanc, là, va vous montrer où poser boutique. Après ça, faites le tour du proprio et cherchez un endroit où crécher. Apprenez à connaître les gens d'ici. Vous laissez pas insulter, mais cherchez pas la merde non plus. Bordel. Comme la gentille dame a dit, suivez-moi! Vous avez des missiles nucléaires à bord? Absolument. Il y a tout un stock de têtes nucléaires au niveau du dessous, dans la section F. Il faut qu'on mette la main sur un de ces trucs. Mais depuis l'attaque, la section F a été inondée. On a dû sceller à nouveau son entrée. Blazkowicz, tu sais nager ? Ouais. C'est pas mal du tout, mais... Mais... Qu'est-ce que c'est que ça, bordel ? J'ai dit... Qu'est-ce que c'est que ça, bordel ? Ce sont des chiottes en état de fonctionner, là, juste devant moi, où je rêve ? Oui, ces toilettes peuvent disposer de toutes sortes de déchets. Sel, urine, vomi... Vous voyez le topo. Vous avez du PQ ? Si vous parlez de papier toilette, oui, oui, il faut évidemment faire un peu attention au stock. Oh ! Oui, il y en a... Oh ! Bordel ! Oh, bordel ! Ah, oui. Jésus dans sa culotte de velours ! Des toilettes qui fonctionnent avec chasse d'eau. Je pensais plus jamais revoir ça, hein ? C'est totalement... Bon. Bon, je vais là-dedans un petit moment. Bonne chance. Ne les poussez pas ! Il nous faut cette tête nucléaire de la section F. Va la chercher, s'il te plaît. Malin. Merci. Hein ? Ici, j'ai...
William. Les jumeaux font encore la fête. Je crois bien qu'ils sentent ta présence. Oh, les cœurs, vieillard, reste à l'écart. Tu ne peux pas lui offrir ce dont elle a besoin. Tu as vu le nouvel abattoir que Seth a construit au stade de tir ? Bonjour, capitaine. Grace, tu m'entends ? Je pars à la pêche aux têtes nucléaires. Compris. Tiens-moi au courant. Cette chaleur poisseuse, cette démangeaison qui rend fou. Tu supportais tout ça avec tant de grâce. J'arrive à peine à respirer de temps. Et pourtant, Caroline, tu y as laissé un vide, impossible à combler. Et la cause, c'est ça qui me permet d'avancer. Et Anya, sa voix, sa splendeur, ça me submerge. Blazkowicz, j'ai un truc pour toi. D'après la carte de l'ingénierie, il y a un système de défense qui protège les têtes nucléaires. J'ai compté 5 sarcophages d'hibernation à proximité. Surtout, reste sur tes gardes. Grace, terminé. J'y vois que dalle. Il me faut de la lumière.
soit toujours. J'en suis arrivé à la conclusion que quoi qu'il arrive, elle ne doit pas savoir qu'elle élèvera nos enfants seule. C'est mon fardeau, jusqu'à ce qu'elle en hérite. Et si tu m'en sois toujours, j'en suis arrivé à la conclusion que quoi qu'il arrive, elle ne doit pas savoir qu'elle élèvera nos enfants seule. C'est mon fardeau, jusqu'à ce qu'elle en hérite. Et si tu m'en sois toujours, j'en suis arrivé à la conclusion que quoi qu'il arrive, elle ne doit pas savoir qu'elle élèvera nos enfants seule. C'est mon fardeau, jusqu'à ce qu'elle en hérite. Voilà ce que je vais faire. Je vais l'éviter. Ne rien laisser paraître. Caroline, ta mort me transforme en menteur. Thank you.
Ça y est, j'ai trouvé le missile. Parfait. Apporte-le au vieux. Seth, c'est ça. Je lui ai donné toutes les informations. Attention, Shimshon, ce n'est pas un Tsatsuke. Ça va? Laissez-moi vous regarder, vous êtes tout pâle. Vous avez de la fièvre ou bien des nausées? Ça va, jamais été aussi bien. Ah oui, eh bien je vais m'en occuper. Mais vous, vous devez vous reposer. Je dormirai quand je serai mort. Bon, rendez-moi un service avant de mourir. Allez voir Grace dans la salle des commandes, l'ancienne chambre de Caroline. William ? Quoi ? J'ai l'impression que tu ne fais que m'éviter. Qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi. Regarde-moi, Anya. Je suis l'homme de fer blanc, putain. Comment veux-tu qu'on soit proche à nouveau ? Je m'en fiche. On trouvera un moyen, on en trouve toujours. Dis-moi, pourquoi t'essayes pas au moins ? Parce que je suis en train de crever. Et plus longtemps on se voit la face, plus ce sera dur. Dans une semaine, je nourrirai les vers. T'en sais rien ! Tu prédis l'avenir maintenant ? Ne fais pas comme si tu savais des choses que tu peux pas savoir ! Mes amis, les toilettes fonctionnent. T'es encore là, Spéchy? Bouge ton cul jusqu'au centre de contrôle et rassemble toutes tes brebis. Le AS-2 tourne en ce moment dans le hangar. Il vous emmènera jusqu'à Galveston. Après, ma poule, c'est de l'impro total. Poil, boss. Blazkowicz, va au hangar t'assurer que AS-1 est prêt pour la mission, compris? Ne pas être là pour toi. Ne pas élever nos enfants. Je ne peux pas le supporter. Alors ne baisse pas les bras. Je t'abandonnerai jamais, moi. Tu m'entends? Jamais. Peu importe ce qui arrive. Viens avec moi dans les douches. On va enlever ce truc, je te nettoierai. Tu sens mauvais. Si je l'enlève, je vais tomber en morceaux et ce sera impossible de me recoller cette fois. Je dois continuer aussi longtemps que possible. Alors Caroline, je sais que j'ai merdé et je le lui ai dit. Mais c'est moi que je protégeais, pas elle. Qu'y a-t-il, Sigrun ? Je trouve pas de beurre de cacahuète, alors je suis pas franchement de bonne humeur, là. Je me demandais si vous aimeriez qu'on fasse quelque chose ensemble, plus tard ? Quoi ? Je ne sais pas. Je pensais à des activités un peu amusantes. Écoutez-moi attentivement, Sigrun. J'ai regardé votre dossier. Ce n'est que liste après liste d'atrocités. Le massacre des Yosemites. Ça va ? L'incendie du ghetto de Baltimore, Nashville. Bonjour, mon ami. Je suivais simplement ma mère. Salut. Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas moi. Grace est une alliée puissante, Blazkowicz. Si vous ne me faites pas confiance, pourquoi ne me tuez-vous pas tout de suite ? Mais vous étiez là. Vous étiez là. Absolument rien fait pour la. Ma mère aurait pris pour une faible, une honte. Je
voulais juste qu'elle soit contente de moi. Oh. J'ai envie de vomir. Et je ne sais pas si c'est la grossesse ou si c'est vous. Bonjour. Vous êtes mon modèle, capitaine, pour ne jamais abandonner. Ce que j'aime, c'est planter les bosses sur le côté de l'escalier, juste au-dessus du bâtiment, tu vois. Ensuite, je tourne le bouton pour bien la scrimer. Ce soir, je me sens comme dans une tombe. On est en sécurité ici, Barbara. Parfait. Voyons si ce coucou est prêt à voler, comme me l'a demandé Grace. Fais le vide, j'ai besoin de plus de puissance. L'hélico est comme un sous-neuf. Je vais tenir Grace au courant. Ça va aller, hein? Ça va, ça va. Faut juste que je m'habitue. Capitaine? Ça, je vois pas de quoi tu parles. Comment ça va? J'ai tellement l'habitude d'avoir toujours un compteur GGR sur moi que je me sens trop puissant. Pablo, ça. Tout est paré. L'hélico est prêt à partir. Merci. Je pense qu'il est temps qu'on se réunisse.
Hey Max! Mais enfin, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il arrive. Qu'est-ce que vous regardez, bande de merlans? Putain de merde! Mais pourquoi personne ne surveille? On est tous occupés, on n'a pas le temps de jouer au babysitter. Bon, enfermez-le avec le cochon. Il est où le problème? Chose. Ma chemise préférée. Putain, Max! Fergus, c'est qu'une chemise. C'est pas qu'une putain de chemise. Je l'ai eue à Kinloss. Et c'est la seule que j'ai. Bon, écoutez-moi tous. Lâchez ce que vous êtes en train de faire. On a un sacré bordel à foutre. Hé, l'anglais! Vous avez des missiles nucléaires, tu le savais? Ah, oh, est-ce que ce serait pour ça qu'on s'en serait servi? Pour raser la barre du boucher? Ah, t'as trouvé ça tout seul, petit génie? Tant que tu le savais, pourtant vous vous en êtes servi qu'une fois. Tu peux m'expliquer ça, tête de con? Ou alors t'es attardé pour de vrai? Bordel de merde! Tu voulais peut-être qu'on balance ces putains de bombes au hasard sur les civils, espèce de cinglé! T'as de la merde entre les oreilles! J'ai pas dit de balancer des bombes sur des villes pleines de niards bouchées du cul! J'ai l'air d'une putain de nazie, d'après toi. Non, 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 non. Je dirais plutôt que tu ressembles à un saut de diarrhée de vache écossaise qui fait autant de bruit qu'un putain de volcan en éruption, mais avec moins de bon sens qu'une amibe. Au moins, ma tête, c'est pas le portrait craché d'un énorme trou du cul. Je vais me faire un ulcère à force de voir un rectum beugler ses étrons. Tu me suis? La seule raison pour laquelle on n'a pas fait péter une autre de ces bombes, et c'est évident pour ceux qui n'ont pas un QI de tanche, c'est qu'il nous faut d'abord une cible. Eh ben moi, je suis là pour dire que j'ai une cible. Et c'est une putain de bonne cible. Alors maintenant, tu poses ton cul de clown, connard d'écossais bouché. Moi, ça me va. Visez un peu. J'ai envoyé Specie préparer la mission dans sa ville natale de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il y a un tunnel accessible depuis la planque de Specie qui peut nous emmener directement dans la base souterraine top secrète des nazis, là où ils essaient de mettre au point leur technologie alien de taré. Roswell, Nouveau-Mexique, vous dites? C'est une de nos bases? Comment ça? Une de vos bases? Ah, on dirait que ça t'intéresse, hein? Pour que tu puisses envoyer des messages codés à tes potes de Berlin? Non! Mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce pourquoi elle est du bon côté? C'est une putain de nazie! Sur ton rafio! Tu disais quoi, papy? Cette base secrète dont vous parliez, nous l'avons construite. Grâce à la Dazi Rudd, c'était l'une de nos bases majeures. Oui, une base souterraine située là où se trouve désormais Roswell, au Nouveau-Mexique. Mais elle existe depuis des millénaires, bien avant que l'Amérique soit dominée par les Européens. Elle contient des technologies liées à l'antigravité qui pourraient renverser le cours de la guerre à elle seule. Nous avons autorisé le gouvernement américain à y accéder, mais c'était déjà trop tard. L'Amérique est tombée, et par conséquent, les nazis ont pu s'emparer de notre base. Oh, il va. Merde. Il va pas être content, le Specie. Il était sûr que c'était les aliens. Une fois, il a vu qu'un vaisseau s'était écrasé là, en 47. Bon, et cet endroit, alors? Vous connaissez l'Oberkommando? Ouais. C'est là où habitent les plus importants trous du cul de la machine de guerre nazie. Eh bien, les nazis l'ont déménagé dans votre base secrète, Seth. Donc, quoi que ce soit, c'est assez important pour que tout le gratin du gouvernement nazi quitte Berlin et s'installe au Nouveau-Mexique. Et c'est pour cette raison que vous aurez besoin de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, c'est une bombe nucléaire portable. On va éliminer l'Oberkommando, estropier tout le commandement nazi et déstabiliser toute cette putain de nation pour dire au peuple que le combat est pas fini. Blazkowicz, prépare-toi. Je t'envoie à Roswell avec ce gadget. Nos hélicoptères ne peuvent pas atteindre Roswell. On va te lâcher sur la côte, près de Galveston. De là, tu vas jusqu'à Roswell. T'as rendez-vous avec Super Spech au Papa Joe's All American Diner. Vous plantez la bombe au cœur même de l'Oberkommando. Et vous faites tout péter.
Ok, Blazkowicz. Cherche Papa Joe's All American Diner. Tu y trouveras Super Spech. Et te fais pas repérer. Entraîne-toi, une fois par jour. Alors, les Américains, vous allez voir le concert ce soir? Jeb, il va. C'est un grand fan de Jennifer. Pas vrai, Jeb? Beeindruckend. Wie bitte? Ich habe die Kerben an deinem Gewehrkolben gesehen. Ein beeindruckendes Ergebnis. Joe's All American Diner, c'est mon genre de resto. Was hast du heute gelernt, Peter? Je sais pas. Une petite minute. Le truc, apprends bien l'allemand, mon chéri. Tu en auras besoin. Quel genre de truc? Oh, bonjour, monsieur. Asseyez-vous au comptoir. Le Führer est un très grand pain. Qu'est-ce que ce sera, madame? Je veux du chili. Nous allons bientôt fermer. C'est pour emporter, ce ne sera pas long. Voyons voir, je vais prendre... Blazkowicz, Spechy sait que tu viens attaquer l'Oberkommando, mais il sait pas que tu te ramènes avec une putain de bombe nucléaire. Il faut que tu lui dises. Allô? Non, viens, Peter, sortons. Mais maman, il j'ai y a même pas de nez qui tienne. Oh, Peterchen. Merci. Bonne journée, madame. Vous, un milkshake à la fraise, s'il vous plaît. Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'incendie à éteindre dans le coin. Sinon, tant pis, je reviendrai une autre fois. Je suis sûr que l'incendie peut attendre, commandante. Et un milkshake à la fraise, hein? Hé, le pompier, je reconnais votre visage. Un visage très arien, pour sûr. Vous êtes de la station numéro 1? Voilà, commandante. Oh, vielen Dank. À vous maintenant. Montrez-moi donc vos papiers d'identité. J'adore les milkshakes à la fraise. Ça doit être ma douceur américaine préférée. Si simple. Juste du lait et de la glace. Par contre, il va falloir que vous révisiez le reste de la carte. Je pense qu'elle mérite d'être plus... allemande. D'accord. Dites-moi, vous êtes du coin, John Smith? Et je lis ici que vous travaillez à la station numéro 6. Où se trouve-t-elle donc? Elle ne me dit rien du tout. Parlez. Commandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Trink gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. C'est pas que je te fais pas confiance, Blasco, mais rien ne me dit que t'es pas un lézard venu tout droit de l'espace qui porte un masque de William J. Blazkowicz. Alors d'abord, je veux le mot de passe que Grace t'a donné. Elle m'en a pas donné. C'est ça. Allez, vire ton masque et montre-moi ta tête d'alien, enfoiré. Super Spech, baisse ton arme avant que je te casse le bras et que je t'envoie au tapis. Je savais que c'était toi, Blasco le Barjo. C'était une blague, allez, suis-moi. Alors, bienvenue au centre de contrôle. Oh, j'ai pas vraiment eu le temps de faire le ménage. Je suis désolé, c'est... vachement utile, ce truc. Ça empêche les signaux de passer. Parfait contre les appareils aliens qui lisent dans les pensées.
comment va Grace? Bien. Et bébé Abby? Elle gazouille toujours autant. Bon sang, ce qu'elle me manque. Ce qui me manque le plus, c'est peut-être les moments où on se mettait sur la gueule. Petite conne, va. Alors, qu'est-ce que tu fabriques ici, Super Spège? Dans cet endroit? Mon père et moi, on s'en servait pour récupérer toutes nos preuves sur les secrets du gouvernement. Un petit cookie? Non. Ça fait plus de 10 ans maintenant, depuis l'été 47. C'est la même année où j'ai quitté mon boulot d'avocat et rejoint le Front Révolutionnaire Noir après avoir fait lever les putains de charges pour meurtre que les connards du FBI avaient fabriqué pour faire plonger Grace. Une nuit, mon père entend un truc bizarre sur la fréquence de la police et m'emmène près du ranch de Murphy où on a vu cette espèce de soucoupe volante qui s'était écrasée. Et là, accroche-toi, ces enfoirés de militaires américains ont tout de suite nettoyé la zone et l'ont mise sous quarantaine. D'après la version officielle, il s'agissait d'un ballon météo. Évidemment qu'ils mentaient, parce que nous, on avait des preuves solides. Tiens, tu vois ça? Attrape. On a trouvé ce truc sur le site du crash. Alors, ça ressemble à un morceau de ballon météo? C'est ici qu'on a commencé à surveiller l'armée et qu'on conservait tous nos dossiers. C'est papa qui l'a construit. Donc tu confirmes avoir vu un vaisseau spatial? Je suis pas en train de te dire que j'ai vu une soucoupe volante venue d'ailleurs, mais c'était clairement d'origine extraterrestre. Si tu vois ce que je veux dire. C'est... tout ça, tout est connecté, mec. Si tu remontes toute la piste, tu te retrouves dans ce complexe souterrain secret à peine 10 bornes à l'est de Roswell, à côté de Bottomless Lakes, dans la zone 52. Notre gouvernement a capturé une soucoupe volante extraterrestre et a dissimulé les corps et la technologie dans cet abri souterrain. Tout le monde était impliqué, les enfoirés du FBI, les enfoirés de militaires, même le putain d'enfoiré de président en personne. Mate un peu ce bordel. La zone 52, la 51, la 48, là, la 56, ça s'étend dans tout le sud-ouest, dans le Nevada, au Nouveau-Mexique. C'est un complexe gigantesque qui est relié par des tunnels souterrains, tu comprends? Ah, tiens, tu vois ces photos? Des fusils plasma, du contrôle mental, des moteurs anti-gravité. Et puis, après que notre gouvernement de Lopette a capitulé face à ces portes nazies, nos nouveaux maîtres ont pris le contrôle de ces bases et ont continué les expériences dans le cadre de leur putain de projet fasciste. Tiens, regarde. Tout ce que tu vois là, c'est le complexe militaire de la zone 52. Au nord, c'est là où les nazis ont installé leur putain d'Oberkommando. Mais ici, au sud, se trouve un abri souterrain rempli de toutes sortes de technologies bizarres. Des trucs aliens. Tout est gardé là-bas. Je les ai jamais vus moi-même, mais c'est là, je le sais. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais... Bon, ok. Personne ne sait exactement de quel genre de technologie il s'agit, mais c'est sûrement des trucs extraterrestres. C'est pas des aliens de l'espace. Qu'est-ce que t'en sais, bordel? T'es un putain d'expert en technologie extraterrestre ou quoi? Je vais te dire, j'ai été avocat pendant un bon moment et je sais reconnaître une putain de conspiration quand j'en vois une, ok? Alors écoute, je dis pas que c'est des aliens de l'espace, mais ça crève les yeux que c'est des foutus aliens de l'espace! Bon. J'ai une tête nucléaire dans cet extincteur. D'accord. On se détend. Je voulais pas te mettre en rogne. D'après Grèche, tu sais comment pénétrer dans l'Oberkommando. Alors tu me fais entrer, j'utiliserai cette bombe pour éparpiller les pontes du régime nazi. Façon puzzle. Oui! Oui, carrément! Ça a l'air parfait. Je suis là pour t'aider. Papa a creusé ces tunnels. Il mène au réseau ferroviaire souterrain qui relie toutes les bases militaires top secrètes. Celui-là va directement au dépôt ferroviaire de la zone 52. Parfait. Mmh. Bon, tu devrais mettre la bombe dans ce sac à dos. T'as besoin de tes deux mains pour tirer. Ça marche. Il y a un paquet de nazis en bas. Et d'autres trucs. Bon. On garde le contact radio. Je pourrais t'aider. Hey, fais gaffe à toi, Blazkowicz. Continue dans ce tunnel et tu arriveras au dépôt ferroviaire de la zone 52.
Ensuite, le moyen le plus rapide d'aller là-bas est de monter à bord d'un des trains. Caroline, tu me reçois toujours. Tu penses qu'il me voit à m'étioler. Sans tes ailes, je m'écraserai. Waouh, putain. Ils ont des trains à réacteur maintenant ou quoi? Verständnis für Terroristen. Wie können sie Gewalt gegen uns gutheißen, nur weil wir anderer Ansicht sind? Wir sind halt gewalttätig, Karl. Denen fehlt die moralische Richtschnur. Wir sind doch auch Menschen.